chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Si on m'a volé ma chaîne, que je ne dois pas réclamer cette chaîne. Ah bon? Je dis et je répète. Tu répètes quoi? Que Fingon a volé ma chaîne. Et je le dirai toujours. Bon, attends, tu sors d'où comme ça? Et sauf un peu du vélo. Qu'est-ce que tu disais? Que Fingon a volé ma chaîne. Mais grand libérateur, depuis que tu réclames ta chaîne, si lui il a dit qu'il ne peut pas te remettre ta chaîne, hein, faut aussi lui faire cadeau avec. Ah bon? Et pourquoi? Parce que c'était aussi un cadeau qu'on t'avait, tu comprends? Petit frère. Oui, grand. Tu es devant moi, je vais t'enculer. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone, c'est mon direct, je fais avec mon iPhone, c'est mon direct, je fais avec mon téléphone, c'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te Fingon, s'il te plaît, ça va bientôt durer de 11 ans que je te réclame ma chaîne. Libérateur, cette chaîne coûte combien? Cette chaîne a coûté 2700 livres à Londres. Qui t'avait offert cette chaîne? C'est Feyou Eric Gaëtan qui me l'a offert à Londres. Pourquoi? Pour magnifier notre rencontre. Bon, comme c'était un cadeau qui t'avait été offert par Feyou Eric Gaëtan de Londres, il faut aussi faire cadeau à Fingon Tralala avec cette chaîne. Cette chaîne, je ne suis pas prêt à le laisser. Ah bon? Et pourquoi? Parce que les gens disent que l'honneur, le sang de Lady Ponce t'a pardonné. Mais oui, Lady Ponce t'a pardonné. Il faut aussi pardonner à Fingon Tralala si tu es sûr qu'il avait vraiment volé ta chaîne. Est-ce qu'il a demandé pardon? Point d'interrogation. Il n'a jamais demandé pardon. Il a nié et il m'a insulté, il m'a traité de fou. On peut faire ça? Ouais, ça c'est très bien. Cette chaîne, je ne suis pas prêt à le laisser. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'il ne sera jamais prêt de venir dire que je reconnais que j'avais volé ta chaîne, je te demande pardon, il n'est pas prêt à le faire. Et quand on lui demande ta chaîne, qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'onglet, l'onglet est faux. Aïe, c'est bon. Président Fingon Tralala, est-ce que c'est vrai que tu avais volé la chaîne de l'onglet, l'onglet? Je crois que l'onglet, ses problèmes font à ce qu'il pète les câbles. Mais de Brésil, c'est vrai ce que lui dit que chaque fois qu'on te pose la question à savoir si tu avais vraiment volé sa chaîne, tu le traites de fou. Mais dis-moi, président, est-ce qu'il est venu face à toi qui dit que mon frère, c'est toi qui avais volé ma chaîne? Il m'a jamais parlé personnellement, hein? Il m'a jamais dit personnellement. Maintenant, concernant mon frère qui est Simon Longuet Longuet, toi, utiliser des phrases juste appeler des gens voleurs. S'il y a quelqu'un qu'il faut être, qu'il faut appeler voleur, toi, tu n'es même pas un voleur. Attends, il est quoi alors? Tu es un kleptomane, tu as la kleptomanie. Ah bon? Et pourquoi? Tu te rappelles très bien les vols de lunettes d'Artier de Raymond que tu as volé chez lui à Paris et que c'est quand tu es allé à la maison Cartier parce qu'il fallait régler ces lunettes à la dimension de ton visage. On a tapé la référence et quand on t'a demandé la pièce d'identité, tu n'avais pas. Tu es sorti de la maison Cartier, tu t'es enfui. La maison Cartier a dû appeler Raymond et faire part de la situation à Raymond. Raymond par contre a laissé tout tomber. Toi, tu as volé même des téléphones dans des cafés à Paris. Alors. Non, président, c'est pas parce qu'il a été réclamé sa chaîne que tu dois lui dire du n'importe quoi. Est-ce que tu étais là? J'y étais. Je n'ai jamais osé dire à qui que ce soit. Jusqu'ici, je n'ai jamais voulu en arriver là. Mais tu m'as poussé à bout. Tu m'as poussé à bout. Ndedi Eyango, qui a fait de toi ce que tu es, qui a pu prendre le risque de tes produits, t'a donné un nom, tu l'as insulté, tu l'as traîné dans la boue. On peut faire ça? Tous les grands, tous les aînés, tu as insulté. Voilà! Aucun aîné ne t'accepte. C'est souillant, hein? Sergio Polo, qui t'a aidé à pouvoir arranger l'album Kirikou à succès, tu n'as jamais osé reconnaître et dire merci à Sergio. Tu n'as jamais dit merci. Mais ce que tu as trouvé à dire, c'est de l'insulter. Parce que pour lui, il était obligé de te soutenir quand tu étais en prison. Longuet, ce n'est pas quelqu'un qui t'a mis dans ta merde, c'est toi et ta bouche. Tu n'es pas obligé de contaminer tout le monde avec ta malédiction, mais non. Personne n'est à la cause de tes malheurs. Personne. Personne n'est à la cause de tes malheurs. Et alors, il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, le fait que tu sois interdit de séjour en Europe, ceci te fait péter les câbles et dire n'importe quoi. Bienvenue à Océan Décor pour tous vos problèmes de staff 3D, staff simple, la peinture, l'habillement mural. Océan Décor a mis à votre disposition pour vous satisfaire une équipe de techniciens dynamiques et qualifiés. Moua. Océan Décor peut aussi transformer votre vieille maison à une maison neuve. Chez Océan Décor, vous pouvez aussi vous inscrire pour une formation en staff 3D, staff simple, la peinture et l'habillement mural.
La direction de Océan Décor est basée au carrefour Kombi à Douala et répond au téléphone 00237 675 72 81 et 68. Chez Océan Décor, la beauté de vos locaux, c'est notre travail. Tu vas juste insulter les petits pays? Même pas de respect pour son petit frère cadet qui venait à peine de mourir, pour petit Didier. Tu devrais avoir honte, je me pose la question à savoir si tu as manqué un cœur. Tu parles de la malédiction de la sorcellerie, c'est toi le sorcier. Hé, alors, est-ce que tu peux oublier donc ta chose? J'ai un frère comme ça, il prend, il va prendre. Et il t'insulte, il dit comment m'attraper à Paris, le téléphone sonnait dans mes fesses. J'ai dit que petit pays a tué son frère, j'ai dit que c'est eux pour la fesse. J'ai volé la lunette de Raymond Tchengang. Tu n'as pas volé les lunettes de Raymond Tchengang ici? Point d'interrogation. Tu n'avais pas volé les lunettes Cartier de Raymond Tchengang? On t'a arrêté là-bas chez Cartier. Alors? Tant que tu accuses que Fingong t'a volé la chaîne, tu oublies que tu as volé pour Raymond Tchengang, non? Longue, que dis-tu des déclarations de complaisance, Maléba, par rapport au vol des lunettes du président Raymond Tchengang? Oh, Maléba, moi je ne te cache pas. Insulte-moi comme tu veux. Mais je vais te dire que moi je réclame encore la chaîne. Et Kamouné, que Dieu vous garde. Mais Raymond Tchengang ne peut pas me réclamer ses lunettes. Ah bon? Et pourquoi? Parce que je viens de chanter le nom de Raymond. Raymond Tchengang en 2000. Nous sommes dans un cabaret. Quelqu'un l'énerve, il me dit, Longue, je vais te montrer quelque chose. J'étais avec un papa Douala qui travaille souvent avec Etinambi. Il m'amène, il sort 800 000 euros en 5500. Il venait d'avoir son salaire. Comme tu as dit que ce n'est pas un voleur, qui n'a jamais volé. Donc il venait d'avoir touché son salaire du mois. Il venait de toucher son salaire du mois. Il m'a amené. Vous me montrez que Longue, voici l'argent. Voici la montre que j'ai achetée. Voici ceci. Je viens de chanter son nom. Il m'a promis que chante mon nom, je vais te donner 5 000 euros. On arrive, il me montre 800 000 euros. Ils sont 1 000 euros, il me donne. Là, il dit que le type s'y prend, me prend pour un bête. C'est mon directo. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon directo. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. Il commence à me montrer, j'ai acheté la montre, j'ai acheté les lunettes, j'ai acheté. Il dit que, ok, président, dit qu'il a voté cap. Il dit que non, laisse, je vais te fuir ta part. Il dit que, mais à voter cap. C'est comme ça que, dans nos rangs, je prends ça. Ah bon? Tu as pris ça dans le rang-rang? Ça veut dire que tu avais quand même volé? Oui. Dis-moi, les lunettes Cartier là, ça coûtait combien? Ça coûte 500 euros, les Cartier là. Combien? Ça coûtait 500 euros, pas plus. Je prends ça, je m'en vais à Château Rouge, Cartier, que je veux le coffre, je veux le calme. Je dis que non, c'est mon grand frère qui m'a donné. Et moi, m'appelle, Longue, tu as pris les lunettes, ça? Il dit oui. Que non, il t'a dit que laisse, je vais t'acheter ta part. Il est venu, je lui ai remis ses lunettes. Est-ce que c'est un volet, ça? Là maintenant, on t'a compris, Longue, le libérateur. Passe un dernier message au président Fingong Tralala et on quitte ici. Paye ta dette avant de mourir. Je ne sais pas quand tu vas mourir ou avant que moi je ne meure. Parce qu'on ne sait jamais. Je peux mourir. Il vient faire la comédie sur mon cadavre que oui, mon frère, je m'excuse, ceci, cela, ça sera un pardon d'hypocrite. C'est mieux, demandons pardon étant vivant. Voilà, j'en ai terminé. Bonne journée, bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, vous qui aimez le Congossa. Parce que parmi vous, il y a les papas Congossa, les mamas Congossa, les sorciers, les hiou, les Camerounais, les Africains, vous aimez le Congossa. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct.
ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de sourire tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong? Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du Victoire, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Fredeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Marasou Québec, ce n'est pas un flash. J'ai juste à te rappeler que si aujourd'hui tu essaies de supprimer le direct sur Facebook, tout le monde doit t'abandonner avec ton Facebook. Ce n'est non plus un flash. Et tu aussi à te rappeler que tous les logiciels des réseaux sociaux font déjà le dire. Red Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Même YouTube, fais le direct. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Même YouTube, fais le direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. Je tiens encore à te rappeler que tu n'es pas obligé de venir commenter mon direct. Je tiens aussi à vous rappeler qu'aujourd'hui tout le monde veut être star. Même Samuel Eto'o, fais le direct. Petit pays, fais le direct. Longueuil, Longueuil, fais le direct. Flor de Lille, fais le direct. La reine galloise, fais le direct. Même ma grand-mère, fais le direct. Fais le direct, fais le direct. Filmez-vous, filmez-vous. Un mot de selfie là, ça sort du ghetto. Appelez-moi tout simplement le replicant Mano Sabi. Ne confondez pas le virtuel à la vie réelle. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. Selfie, ah, hey, mama, selfie, hey.